Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon let's play tranquille sur le jeu Banished. Allez, on va charger la partie. Donc la dernière fois on en était où? Oula, ça c'est pas mon village, non. Ça c'est un village tout pourri, voilà. Oula, il y a un working as laborer juste au moment où j'arrive, c'est bien. Par contre on va remettre en 5 fois. Donc on va le mettre en builder si... Non, quoique non. Donc on va le mettre en forester pour éviter d'avoir trop de pertes. Donc la dernière fois on avait eu énormément de morts, je crois qu'on en avait eu 8. Mais c'était tous des morts de vieillesse, du coup bon, ça peut se comprendre. Ah bah, ça y est, encore une mort de vieillesse. Cette fois-ci c'est qui? C'est un arboriste. On va finir par remplacer tout le monde, ou presque. Bon, ça serait l'idéal de les remplacer très vite. Et pour ça, vous voyez, j'ai fait plein de nouvelles baraques qui, j'espère, feront plein d'enfants. En tout cas, j'espère que ça va être le cas. Ok. Ah, un nouvel enfant, donc là on est à 8. Ok, personne qui vient dans cette maison, bah, j'aurai des maisons supplémentaires pour les nouveaux couples. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire plus d'enfants plus rapidement. Donc il en faut des baraques. Donc on va certainement avoir encore des morts. Ça m'embête un peu, mais on va certainement en avoir encore. 68 ans, vous voyez, 64, 67, 63, 59. Oui, on aura certainement 80. On va certainement avoir un bon paquet de morts en plus. 73, oui. C'est un peu embêtant, mais il va falloir faire avec. Et une fois que la génération aura changé, ça ira beaucoup mieux. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on aura préparé quelques maisons supplémentaires. Ce qu'il faudrait que l'on fasse, ce serait quelque chose d'un peu plus utile, genre le Town Hall pour le... Ah oui, quoique 124 en pierre, c'est énorme. On va peut-être faire un hôpital plutôt. Pas ici. Faire par ici, je pense que c'est plutôt pas mal. Allez hop, je demande un hôpital par ici. Donc à faire un hôpital, la base. J'ai plus beaucoup de bois de chauffage moi, il est passé où? Par contre j'ai énormément de bois. Ça pour le coup, le bois je peux y aller. Ok, encore un nouveau mort. Et c'était qui? Un fisherman. Bon. Il va commencer à être impératif que les enfants prennent la place des parents. Parce que sinon ça va pas aller du tout. Donc là, les ressources arrivent pour la construction. Je vais d'ailleurs plus avoir beaucoup de pierres. Faudrait que j'en récolte par ici. Alors, voilà. Hop, on va récolter toute cette pierre. Et au passage, on va faire pareil pour le fer. Alors, les enfants, il y en a 7 ans, 7, 6, on va tous les avoir en même temps, ce qui veut dire qu'ils vont tous à peu près mourir en même temps, ce qui est aussi embêtant. 7, 5, 1, 5, là ils sont tous un peu séparés, ce qui m'embête un peu.
pourrait pas faire des couples. Ouais, sacré problème de démographie. Donc. On va peut-être accélérer un peu le temps. Allez, c'est parti. Et le bois de chauffage aussi. Ah, un nouvel enfant. Idéal, ça serait plus d'enfants qui naissent que de vieux qui meurent dans cet épisode. On a déjà deux, je crois que j'en ai déjà eu deux de plus. Donc là, pour l'instant, c'est égal, mais je pense que je vais avoir des morts encore. Ah, voilà, nouvel enfant. Ah non, c'est... il y a bien eu un nouvel enfant. Donc là l'hôpital va être construit, au moins c'est peut-être que les vieux vivront un peu plus longtemps. Voilà. Oui, par contre il faut un... il faut un... juste comment ça s'appelle ? Un médecin. Forcément, j'en ai pas. Donc là, ça récolte des ressources. C'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. Il va falloir que je remplace tous les morts. On a perdu un demi-cœur encore sur la santé moyenne. Par contre, on a regagné une demi-étoile dans le bonheur moyen. Donc c'est bien, même si je me demande pourquoi on a perdu le demi-cœur. Parce qu'on a des clothes, on a beaucoup de choses. Donc là, on a un laboreur qui vient d'arriver. Du coup, on va te mettre en récolteur. Il faut remplacer tout ce qui va pas. Voilà, un nouveau laboureur. Herboriste. Le prochain gazer. Après on fait Sherman. Ça y est, un nouveau couple qui s'est formé, c'est cool. Bon par contre ils ont 10 ans, c'est un peu dégueulasse. Mais on va pas trop regarder. Alors. Voilà, donc un de plus qu'on met en gatherer. Ça sera bien. Il faudrait que je mette un physicien. Je regarde un peu les âges de tout le monde. Et le vieux, 84 ans. Oh la vache. Elle est encore en vie quoi. C'est vraiment que ça doit déchirer du pâté chez elle. Ça coûte combien d'upgrade? 24, 40 et 10. 40. Ça coûte combien la construction? 24, 40 et 10. D'accord. Donc là, on a un nouvel adulte. Toc. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que je refasse des maisons. Ah. Donc on a un gazer qui est mort. Tiens, voilà, un nouvel enfant. On va d'ailleurs faire des nouvelles maisons. Et ça devient super craignose, on n'a pas assez de firewood. C'est pourquoi on va mettre un nouveau woodcutter. Je sais pas où on va le mettre d'ailleurs. Je pense qu'on va le mettre par là. Allez hop.
on a un nouvel enfant qui est né, c'est bien. Aïe. On va remplacer le gazer qui est mort. Ok, il y a un fisherman qui est encore mort. Eh ben dis donc. C'est... 85 ans. Voilà, le fisherman. Donc on a un nouvel enfant qui est né, c'est très bien. Ok, 12 et 12 ans. Vous me faites très peur. Vous me faites tous très peur. Alors... un nouveau laboreur, voilà. Quand on va mettre en hunter, j'aurais dû le mettre en physician. Voilà. Donc là un nouvel enfant. C'est très bien. Par contre j'ai vraiment plus du tout de firewood quoi. C'est ça qu'il faut impérativement que ça soit construit ça. Allez. Un fisherman qui est mort. Et je suppose que c'est toujours pas notre... notre super papy. C'est une super mamie d'ailleurs. 86 ans. Waouh. Ah ah, encore un nouvel enfant. C'est bien, au moins les naissances suivent. Est très bien. Ah non, t'arrêtes pas maintenant. Il faut rapidement de bois de chauffage, j'en ai plus beaucoup là. Allez, fini de construire la baraque là. Tu peux pas finir de construire? Il est où mon constructeur? Ah bah voilà. Donc là par contre il me faudrait un woodcutter en plus. Oh encore un mort. C'est toujours les fishermen qui crèvent. Il me faut un woodcutter en plus. 87 ans pour Cassidy. Elle va peut-être atteindre les 90. Hein. Ah tiens, tu vas passer en woodcutter. Il me faut deuxième woodcutter, c'est important. Ok, c'est très bien à chaque fois qu'il y a un mort, au moins il y a une naissance. Alors par contre, lui il est né tout seul là, il n'y a pas de couple, il est né tout seul. Très bizarre. Voilà, ça devrait aller. Alors, on doit peut-être monter à la limite à 1000. Ok, c'est très bien. Ça devrait remonter normalement. Pareil, là, le average health est remonté. C'est très très bien. Ça devrait aller. Maintenant, où sont les prochains? Ça va bientôt arriver. Là, il y a une deuxième vague de nouveau-nés qui arrive. Ah, et oh. Qui est-ce qui est encore mort? C'est le deuxième herboriste. Il y a combien de morts? Oh la vache, on a presque rempli le cimetière, quoi. Bah, c'est les 25 adultes de base, quoi, en fait. Ceux qui étaient là au tout début qui sont en train de nous claquer dans les doigts. Et on n'arrive pas à passer les 50. Hein. Là on est à 45. Mais c'est dur de passer cette barre. Ce qu'on va faire...
Oh, elle est morte, ça y est, Cassidy l'herboriste. Oula, il n'y avait plus d'herboriste du tout. Wow! On scanne. Un farmer qui est mort en plus. Ok les mecs, il va falloir vraiment, vraiment que vous... Que vous deveniez un peu plus adulte. Ah voilà. Là on a un laboreur. Alors attendez. On va mettre un herboriste, c'est le minimum. Après la question est-ce que ça rentre ce genre de maison? Oui ça rentre. On va faire des quartiers d'habitation. Ok, une naissance, c'est bien parce que là, j'ai eu plein de morts d'affilée. Ça fait genre un peu peur. Là, on est descendu à 44. Eh, hey, c'est pas facile, hein. Alors, où sont les enfants? C'est pas tout de suite. Ah, c'est encore plein de vieux entre guillemets. On va encore avoir quelques morts. En tout cas, des woodcutters, ça suffit pas. Hein. Il en faut bien plus. Ok, là on a des naissances. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait qui deviennent laboureurs. On a plein de naissances. C'est très cool. Par contre, clairement, le problème, c'est ceux qui meurent en permanence, là. Parce qu'il faut les remplacer et je les remplace pas tout de suite. Ah, voilà. Donc tu vas me mettre en builder histoire que tu construises un peu des trucs. Parce que j'ai plein de trucs en attente qui nécessitent d'être construits. Allez, c'est parti. Ah, laboureur. On va remplacer ceux qui sont en train de clamser. Fisherman. Voilà, c'est bien. Pour l'instant, ça avance bien. Ça avance très bien. On est à 46 habitants. Ce qui est une très bonne nouvelle. Toc, nouvelle baraque. On va avoir pareil juste à côté. Voilà, c'est très intéressant, comme ça, moi, on a de la place. Yes, un nouvel enfant, on est à 47. Tiens, ils ont enlevé des tombes. Ils jouent dans le cimetière, quand même. Faut se méfier, il y a des mecs vraiment flippants ici. Allez, le dernier, la dernière baraque. Ok, c'est très bien. Ça avance bien. Par contre, j'ai plus beaucoup de pierres. Du combien par saison? 14, c'est ridicule. C'est complètement ridicule.
Ah, ça fait 20 minutes déjà. On va attendre encore un peu. Bon, c'est un épisode de transition là. En ce moment, c'est des épisodes de transition. Parce que c'est la grosse, grosse galère au niveau du changement démographique. Il y a quand même plus performant d'habitude. Hein. Ok, le bois de chauffage, ça bouge pas trop. Enfin, si, ça bouge beaucoup, je trouve. Donc, on a une nouvelle naissance. 48. C'est marrant, il quitte certaines maisons pour aller dans d'autres. Faudra m'expliquer. Oula, j'ai plus du tout de bois de chauffage. Et oh. Ok, on a encore perdu un Fisherman. Oui, je sais que réserve de firewood is low, alors qu'on est en hiver et c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je vais vite. Il faut vite en remplacer. Je vous laisse juste une fois que j'ai fini de faire le woodcutter. Ça, c'est hyper important. Si j'ai, voilà, ça y est, j'ai plus de firewood. C'est la grosse, grosse galère. Donc on se dépêche avant que les gens ils crèvent de froid. Ok, on a un laboreur. On va mettre en... Enfin, on va attendre que le woodcutter soit fini pour le... Voilà, on va le mettre directement. Ça y est. On a un woodcutter supplémentaire. On va s'arrêter là pour cet épisode, épisode de transition bien évidemment. J'espère qu'on pourra avancer un peu plus dans les constructions plus après. Il y en a encore un qui est mort. Enfin, je dis ça, il y en a plein qui meurent dans les doigts. Donc là, bon. On va bien voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis à la prochaine. Salut à tous !